Hello les amis, c'est Nico, j'espère que vous êtes en forme, je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode avec JHS Pedals, une marque mythique que vous connaissez certainement parce que très très présente sur la toile et aujourd'hui le nouveau modèle de la marque, la Artificial Blonde, le modèle signature de l'artiste américaine Madison Cunningham. Voilà, si vous ne connaissez pas cet artiste, allez écouter. Moi, je la suis depuis quelques années maintenant, grâce aux réseaux sociaux notamment. C'est quelqu'un qui fait de la très, très, très jolie musique et qui a vraiment un design sonore, voilà, un univers bien à elle, notamment grâce aux pédales JHS. Alors, ce que je vous propose, au lieu de parler pendant des heures, c'est de jouer de la musique avec cette magnifique pédale. On va l'écouter ensemble avec cette pistole et son P90, le Cat Bluebird qui est derrière moi et le Buddha Artist V20, c'est une pédale stéréo et on se fait plaisir aux oreilles aujourd'hui. J'espère que vous aussi écoutez ça sur un bon système son. C'est parti. Alors, vous l'aurez compris, on vient de bouger la vitesse de ce vibrato chorus, parce que je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est un vibrato chorus. On est dans cet univers-là, avec ce son un petit peu en trois dimensions, que j'adore. Je ne joue pas beaucoup ces effets, mais ça inspire à jouer ce genre de choses. On a bougé donc ce bouton jusqu'à obtenir une vitesse qui était carrément très, 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 très rapide, avec une profondeur d'effet qui est assez prononcée. On ne comprend plus rien, hein, comme vous l'avez entendu à un moment donné, où j'étais obligé de rebaisser tout de suite la vitesse, parce qu'on ne comprenait même plus la guitare. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où ça va. Et on peut avoir ce genre de vitesse très haute, on va dire, de vibrato, en baissant la profondeur, une des choses très sympas, on le verra par la suite de cet épisode. Mais voilà, vous l'aurez compris, ce réglage ici en haut, donc on jouait, la petite LED est allumée, là on a le réglage A, et on a un réglage B, ça c'est très très cool, grâce à ce petit switch, hop, on va pouvoir passer à complètement autre chose, à, par exemple, un vibrato très rapide si vous le voulez. Alors on peut régler deux vitesses. C'est aussi l'intérêt de cette pédale, et c'est pour ça qu'elle est née, c'est en voyant un petit peu Madison Cunningham se baisser et tourner les potards de son vibrato qu'elle avait sur scène avant celui-là, que Josh de JHS a décidé de lui faire cette pédale avec deux réglages tout simplement. Alors au-delà de ces deux réglages qui sont finalement assez standards, hein, on connaît le vibrato, mais ici, ce petit bouton-là, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Pour moi, c'est ça l'atout de cette pédale. On va écouter ça ensemble tout de suite. We'll be right back.
Voilà, c'est absolument génial. Franchement, je sais pas trop quoi vous dire parce que ça invite juste à jouer de la musique, ça respecte le jeu du guitariste, ça respecte aussi l'énergie et la puissance qu'on met dans le poignet et dans le médiator. On peut faire plein de choses, on a envie de jouer avec des nuances, des fois de faire péter la guitare. Il y a vraiment plein de choses à faire. Alors vous avez compris que voilà, quand je tourne ce bouton à gauche, en fait, on change l'équalisation de la pédale. Donc tout à gauche, on a vraiment que les basses, ce côté un peu dark de la pédale, mais c'est jamais vraiment dark, finalement, il y a toujours vraiment beaucoup de définition. On coupe surtout les aigus, en fait, et plus on va aller par là, vous l'aurez compris, plus on va faire le contraire, couper les basses, et juste entendre ce son très très fin, qui fait parfois un petit peu penser à des chorus des années 80, des choses qu'on a l'habitude d'entendre sur les disques, c'est très produit comme pédale, en fait. On a l'impression vraiment d'écouter le son de guitare d'un album déjà produit, déjà mixé. C'est vraiment impressionnant, il y a quelque chose qui se passe, qui est presque difficilement explicable en fait, tellement on a des bonnes sensations, des belles sensations. C'est très 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 musical, voilà. C'est ce qu'il faut retenir de ce genre de truc. C'est pour faire de la musique, je le répète dans toutes les vidéos où j'essaye des pédales, mais c'est vrai et ça, ça en est vraiment la preuve. Alors maintenant, ce que je vous propose, je pense qu'on a suffisamment entendu de son clair pour aujourd'hui. On va clairement monter le volume de ces deux amplis derrière moi, et on va s'énerver, on va voir ce que ça donne, en passant d'une vitesse à l'autre, voilà, pour entendre un vibrato très rapide aussi, parce qu'elle est capable de le faire très très bien. Que vous dire de plus, honnêtement, à part que ça sonne grave de chez grave. Allez essayer ça. Franchement, ça doit être en magasin maintenant, donc faites-vous plaisir, passez du temps, tournez les boutons, écoutez, c'est vraiment magnifique. Il y a plein de musique à faire, comme vous pouvez l'entendre sur ce jeu de fin, beaucoup plus énervé que sur le reste de l'épisode. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que vous avez écouté ça sur un bon système son. Ça nous tient à cœur. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Tone Factory. Ciao! We'll be right back.